sent une forte odeur de musc. Un tanneur habite près d'ici. Oh, honte à moi, Neb. Mon mari est le tanneur du coin. Il rapporte cette puanteur chez nous depuis son campement. Il est chez vous maintenant? À l'odeur? Oh oui, on pourrait le croire. Mais c'est encore pire quand il est là. Ne t'en fais pas, Nebet. Un travail nécessaire n'est pas toujours agréable. Ça, c'est vrai. Mon mari travaille très dur. Malheureusement, ça ne suffit pas à satisfaire à la demande. On dit que les Medjay n'ont pas leur pareil à la chasse. Si tu veux gagner un peu d'argent, n'hésite pas à aller le voir. Il sera ravi que tu lui viennes en aide. Je vais y réfléchir. Où peut-on le trouver? Il est parti à la chasse, au nord et à l'ouest de Saou. Il y tannera des peaux pendant quelques jours. Si seulement il parvenait à se débarrasser de cette puanteur. Voyageur, je ne m'attendais pas à ce que les dieux aient la bonté de m'envoyer de l'aide. J'ai eu peur que cette bête veuille me dévorer histoire de se venger de mon métier. Qu'est-ce qui t'amène ici? La femme que j'ai vue à Saou m'a dit qu'un chasseur te serait utile. Ah ça, oui. J'ai trop de demandes et pas assez de peaux. Je suis prêt à te payer grassement pour les peaux dont j'ai besoin. Et bien sûr, pour les risques que tu prendras. Je t'écoute. Il me faut des oreilles de hyène, des œufs de crocodile et des crânes de vautour. Quoi te servent les crânes de vautour? Bien des prêtresses s'en servent pour agrémenter leur coiffure. Ah, alors, qu'est-ce que tu m'as ramené? Tout ce que tu as demandé. Ah oui, bien, bien, et en très bon état. Ça fera l'affaire. Voilà pour toi.